Salut, salut, bah c'est Gronaz de la chaîne Permaculture Néo-Rurale. Aujourd'hui, en fait, on va essayer de voir pour mettre en place une haie morte. C'est-à-dire qu'avec des bouts de bois, des piquets, etc. On a vu ça sur internet, ça avait l'air sympa. Donc, du coup, on va essayer de mettre ça en place. L'idée, c'est de protéger le futur potager du vent. Parce qu'avec Chiara et compagnie qu'on a eu cette semaine, on a vu que ça soufflait pas mal dans le coin. Donc, l'idée, ça va être de protéger un petit peu la zone. Et du coup d'enrichir également la haie qui serait autour. Donc voilà, donc on va mettre tout ce qui est déchets verts dans cette haie morte, et puis on verra bien ce qui poussera en lieu et place dans quelques temps. Voilà, donc on verra. Allez, chouchou, on va voir ça là, après, plus tard. Heureux, bah c'est toujours Gronaz. Donc voilà, après 1h30, on a planté les piquets, puis on a mis nos branches mortes au milieu. Donc on a une haie et demie, ça a bien un petit peu le jardin, je trouve ça pas mal. Puis on verra bien ce que ça donne en termes d'abri du vent et pour la partie potagère. Donc là, on peut voir aussi que l'arbre est en fleur déjà. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit une superbe idée. En sachant que l'hiver est pas terminé et qu'il risque de se prendre des gelées dans la tête. Bon, voilà, allez, la suite. Salut, salut. Bon, bah, c'est le soir. Donc voilà, on a fait notre haie morte. Alors, comme vous pouvez le voir, on pourra encore monter le niveau de la haie. Et voilà, l'idée, c'est d'aller en gros à 1 mètre de haut et puis de faire un nid à insectes du coup qui sera assez naturel, quoi. Voilà, voilà. Donc, on va laisser 2-3 petits accès. On fera sûrement des portes ou ce genre de choses quand on aura terminé. Voilà, voilà. Allez, chouchou.